Bonjour, mon nom est Marc Ricard, je suis coordonnateur ressources matérielles au Collège Shawinigan. Je suis ingénieur mécanique de profession. Suite à mon DEC en sciences pures et à mon baccalauréat en génie mécanique, j'ai travaillé dans différents domaines, que ce soit en électronique, en fibre optique, ainsi de suite, aller jusqu'à là, environ 10 ans, où est-ce que j'ai travaillé au niveau hospitalier et à présent au niveau collégial. Étant jeune, j'ai grandi dans un milieu où j'étais entouré de techniciens. Mon père était entrepreneur en construction. J'ai toujours été attiré par le technique, savoir comment les choses étaient faites. C'est ce qui m'a amené au secondaire, là, parce qu'au moment où j'ai dû prendre ma décision vers quoi je m'enlignais au cégep, de m'enligner vers sciences pures et appliquées à l'époque, qui est sciences nature aujourd'hui. Quand j'ai commencé à travailler à l'INRI de Deschambault, il y avait beaucoup de problèmes techniques à régler. Sur les 264 cubes d'électrolyse, il y en avait 62 ou 64 de démarrer. C'était super intéressant là, de partir une usine, de démarrer une usine. Quand on fait un travail où 5 heures arrivent, t'es quasiment déçu que la journée finisse. Je pense que c'est important là, dans qu'est-ce qu'on fait, d'aimer ce qu'on fait, d'être passionné. Régulièrement, j'ai à faire des calculs en lien avec ce que j'ai appris au cégep en sciences pures et appliquées. Il y a les notions de physique, où est-ce que ça me sert régulièrement, que ça m'a servi depuis le début. Les notions aussi de mathématiques, c'est des notions que j'ai acquises il y a déjà 23 ans à l'intérieur de mon cours de sciences pures. J'ai justement un problème en lien direct avec un des cours de sciences pures, électricité et magnétisme. J'aimerais te le proposer pour trouver une solution. Donc, on désire alimenter à l'aide de conducteurs de cuivre une pompe à eau de 20 HP sous une tension de 240 volts. Si celle-ci se trouve à 30 mètres du panneau électrique, veuillez déterminer la grosseur de fil à utiliser ainsi que la puissance perdue dans les conducteurs entre le panneau électrique et la pompe. Si tu as la fibre qui te fait vibrer la fibre physique, la mécanique, tu es captivé par les choses qu'on peut comprendre, qu'on peut voir, la conception. Je t'encourage fortement à continuer dans ce domaine-là pour travailler avec passion. Merci beaucoup de votre attention. Ce fut un plaisir pour moi de vous faire part de mon expérience de travail, de faire part de cette passion. Au plaisir de se croiser dans les corridors du collège. Si vous avez des questions, il me fera toujours plaisir d'y répondre. N'hésitez surtout pas. Ça va vous faire plaisir. Donc, merci.